Bonjour, bienvenue dans la minute de droit d'ABC Juris. Aujourd'hui, qu'est-ce que la sauvegarde de justice? La sauvegarde de justice, c'est un mécanisme qui a été mis en place par le droit français pour protéger des personnes qui momentanément sont privées de leur capacité d'exercice. On parle de capacité d'exercice pour l'exercice de nos droits. Une personne qui est momentanément privée des facultés d'exercer ses droits peut être protégée par différents régimes de protection. La sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle. La sauvegarde de justice est le régime le moins contraignant. Elle peut être ouverte pour protéger une personne qui doit accomplir certains actes déterminés ou pour protéger une personne qui a momentanément besoin d'être assistée pour accomplir certains actes. Elle intervient à la demande du médecin qui informe le procureur de la République ou par décision du juge des tutelles. La sauvegarde de justice est valable pour 2 ans qui sont renouvelables. La personne conserve l'exercice de ses droits, c'est-à-dire que les actes qu'elle a accomplis ne sont pas automatiquement nuls, mais ils peuvent être attaqués soit par une action en rescission pour lésion, soit par une action en réduction pour excès, pardon. Cette mesure prend fin sur avis médical et soit la personne est retournée à la pleine capacité, soit la mesure est renouvelée, soit une procédure plus lourde de curatelle ou de tutelle est ouverte. Voici pour la présentation de la sauvegarde de justice. Dans les prochaines vidéos, je vous présenterai et la tutelle et la curatelle. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me suivre.